Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo livre terminée, parce que ça y est, j'ai enfin terminé mon livre Coloriage Wild d'Emmanuel Collin, le numéro 1, puisque du coup le 3, je l'ai déjà terminé, mais il y a fort longtemps. Donc là, j'ai fini le 1. Pour moi, quand je dis terminé, ça veut dire qu'en fait, j'ai fait les 14 coloriages. Ils sont en double, j'ai pas fait les doubles. J'ai fait les 14 illustrations en une seule fois, en fait. Voilà. En général, je fais pas les doubles, sauf si vraiment j'en loupe un ou enfin voilà, pour X raisons. Mais sinon, en général, je ne fais pas les doubles. Donc pour moi, ce livre est terminé. Donc on va regarder ensemble ce que j'ai fait à l'intérieur. Juste en petite précision, ce livre, j'ai fait mon premier coloriage dedans au mois de mai 2020. Et donc je l'ai terminé là en juillet 2022. Alors, le premier colo, c'est celui-ci. Donc celui-là, il a été fait en mai 2020. C'est un des premiers que j'ai fait dedans. Donc je me souviens juste que pour le fond, j'avais utilisé les pits pastels que je n'ai plus aujourd'hui. Voilà. Mais alors, je ne saurais pas vous dire pour le reste ce que j'ai utilisé. Je m'en souviens absolument pas. J'ai l'impression que pour les fleurs, il y a de l'aquarelle, mais franchement, je ne me souviens pas. Ensuite, on a celui-ci qui a aussi été fait en mai 2020. Et ça, je sais que c'est fait, en tout cas pour la peau, les cheveux et les feuilles, c'est fait avec du Luminance, j'en suis sûre. Les fleurs, j'ai un doute, je ne sais pas. Mais je sais que ça, c'est fait avec du Luminance. Je reconnais la peau. Alors celui-ci, il est un petit peu plus récent puisqu'il date de septembre 2021. Et celui-ci, je l'aime beaucoup et j'ai fait du feutre à alcool dessus. Voilà, j'avais fait une base de feutre à alcool surtout, sauf pour la peau et pour l'oiseau aussi, je crois. Sinon, pour tout le reste, c'est feutre à alcool. Et ensuite, j'étais venue ombrer au crayon. Enfin, pour les feuilles, là, j'ai très peu ombré. Voilà, celui-là, je l'aime bien. Il est flash mais doux à la fois. Donc, ouais, j'aime bien. Alors ensuite, il y a celui-ci. J'ai pas la date pour celui-là. Je sais plus quand je l'ai fait. J'en suis pas hyper fan. Voilà, je le trouve pas top. J'avais pas d'idée pour le fond. J'avais mis de la peinture jacquard comme ça, mais voilà, c'est pas mon préféré du livre, quoi, on va dire. Alors celui-ci, il a été fait en mai 2021. Celui-là, je l'aime bien. Et il a été fait aux luminances aussi. J'ai beaucoup utilisé les luminances dans celui-là parce que c'est les crayons que je préfère pour faire les portraits. Et puis que je les aime bien sur ce papier qui est un petit peu texturé. Donc luminance, et pour le fond, je pense que ça devait être du pastel sec, je pense. Voilà pour celui-là. Alors celui-ci, beaucoup plus récent. Celui-ci, il date du mois de juin 2022. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour celui-là? Je ne sais plus. Sûrement des luminances pour la peau et peut-être des Pablo. Mais honnêtement, je suis pas sûre du tout. Et j'avais utilisé un spray, un shimmer spray là, ça. Je sais pas si on voit, mais voilà, ça brille un petit peu. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci, qui est récent aussi, puisqu'il date du mois de mai 2022. Voilà, assez simple, aquarelle pour le fond. Et puis dans les crayons, je ne sais plus. Pour la peau, ça doit être comme d'habitude des luminances. Pour le reste, je ne suis pas sûre. Et puis j'ai utilisé des stylos gel aussi, que j'ai mis à l'intérieur, ainsi que de l'Artistro. Voilà, j'aime beaucoup mes fleurs. Le reste, je ne suis pas trop convaincue. Mais les fleurs, je les aime bien. Alors celui-ci, très récent, puisqu'il date du mois de juillet 2022. Voilà, il est tout simple, franchement, pas de prise de tête. Au fond, vous allez peut-être pas voir en vidéo, c'est vraiment très très léger. Il y a un tout petit peu de bleu comme ça autour, mais c'est vraiment léger. Hein. Celui-là, je pense que je l'ai fait avec les Prismacolor. Mais je suis plus tout à fait sûre. Alors, retour en arrière, celui-ci, il date de septembre 2020. Voilà, très simple. Je ne savais pas quoi faire pour le fond. Je me souviens que en fait, j'avais pris mon pinceau à réservoir d'eau. Je l'avais imbibé de peinture nacrée. Ça doit être de la peinture nacrée Action, je pense.
la Action ou la Kuretake, je ne sais plus. Et en fait, j'avais pressé comme ça le réservoir d'eau une fois que la mine était, enfin le pinceau était complètement imbibé pour faire tomber des gouttes comme ça. Et ça donne ça. Voilà, c'est pas incroyable. Mais écoutez, il est fait. Alors, récemment, toujours, j'ai fait celui-ci, donc juin 2022, et celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, je suis très contente du résultat. Au fond, c'est des encres que j'ai utilisées. J'aime beaucoup la couleur de mes fleurs. Voilà, je l'aime bien celui-là. Je pense que c'est un de ceux que je préfère, que j'ai fait dans ce bouquin. Alors, celui-ci, c'est le dernier que j'ai réalisé, donc juillet 2020. Je l'ai fait en duo avec Marine Coloriage, mais en fait, je l'aime pas du tout. Donc, je suis un petit peu déçue pour le dernier coloriage de ce livre. Voilà, je suis un petit peu déçue de ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, hein. Il faut qu'il y ait des loupés aussi, hein. Alors, celui-ci, il date de juin 2020. Voilà, c'était une des premières fois que je faisais une peau foncée. Et écoutez, je trouve que c'est pas trop trop mal, même si c'est loin d'être parfait. Au fond, il y avait de l'aquarelle et pour ses cheveux, j'avais utilisé un crayon Graphitint que j'ai plus aujourd'hui. Mais j'avais utilisé ça parce que je ne savais pas du tout comment faire les cheveux afro comme ça. Et ouais, j'avais utilisé les Graphitint. Bon, c'est pas terrible, hein. Je pense qu'aujourd'hui, je ne referai plus ça. Mais voilà, pour le reste, honnêtement, je me souviens pas du tout de ce que j'avais utilisé. Alors, celui-là, c'est septembre 2021. Je sais pas trop quoi en penser de celui-ci. J'aime beaucoup les roses. Enfin, le petit personnage en lui-même, je l'aime bien. J'aime bien l'idée du rond comme ça noir que j'ai d'ailleurs refait là sur le dernier que j'ai réalisé dans ce livre là que je vous ai montré juste avant. Mais c'est le rouge là avec le Mod Podge et le Posca autour. Je suis pas trop trop convaincue, mais écoutez, c'est fait, c'est comme ça. Et enfin, on a celui-ci, donc juillet 2020. Celui-ci, je me souviens très bien. J'étais en vacances dans les Alpes quand je l'ai fait. J'avais très très peu de matériel avec moi. Donc je me souviens que je l'ai fait avec les Giotto Stil Novo. Et j'avais à l'époque, comment ils s'appelaient ces crayons? Les Koh-i-Noor, les Polycolor? Je sais plus. Enfin bref, c'était des Koh-i-Noor que je n'ai plus aujourd'hui. Voilà, donc je m'en souviens très bien. J'étais dans la location à la montagne, dans les Alpes, quand j'ai réalisé ce petit coloriage-là. Et c'est le dernier, puisque ensuite on arrive sur les doubles. Voilà, qui sont là. Ah bah j'ai marqué là. Polycolor Rembrandt. Ah, j'avais des Color Soft aussi et des Stil Novo, j'avais marqué derrière. Voilà. Donc écoutez, c'est tout. Pour ce petit livre, donc le coloriage wild, que je vais pouvoir ranger avec mes autres livres terminés. Je suis très contente, c'est toujours hyper satisfaisant de terminer des livres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est le petit coloriage que vous avez le plus aimé. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!